Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. La police dans la Tibonite a arrêté trois mouns et dans le commencement week-end qui s'est passé dans la zone Tibois-Dôme. Mouns c'est un trafiquant de drogue et puis saisi 23 balles marijuana qui évalue à environ 23 millions de gouttes. Dans l'autre bord, la police fait qu'on a deux présumés bandits qui ont stoppé dans la capitale. Yon zam de guerre saisi dans une tentative de kidnapping qui déjoué dans la commune vendredi. C'est un fusil AR-15 que la police trouvé. Monsieur Tenon machine service l'État et a passé dans la zone. Dans l'autre bord, la police en deuil tout puisque tu as gagné un policier qui a perdu la ville dans une balle et l'autre qui t'a blessé. C'est toujours Zach Bandi qui a pépété dans la capitale haïtienne. C'est moins ça, yo, avec divers autres, nous allons développer pour être prochain à Pombout et puis après nous allons. Nous allons dérapé avec information, yo, surtout dans la capitale, là, côté Zach Bandi, continue à bailler un gros qui est cassé, surtout sur la route nationale numéro 1. Côté le bail, gens difficile pour machine jusqu'à présent, passer par Canaran pour venir dans le reste du département de la Tibonite, le reste pays. Fon dit que depuis le commencement week-end qui s'est passé, il y a un gros problème dans la zone Canaran, à côté, une zone sous Smat, là, à côté Bandi, on l'a fois encore qui sorti dans le village de Dieu, t'es mis du feu, brûlé, violé, et femme, écoute, fille, devant les yeux parents, devant les yeux mario, devant les yeux petit, situation ça, on l'a fois encore, et montrer dans qui état, monsieur Sayo, pas gain ça, il état dame la caille. Comme ça, a gagné plusieurs usagers qui ont utilisé route nationale numéro 1, on m'a dit autorité, la police, pour mettre en présence lourdement armée, qui a dû défiler sur route toute la journée, surtout dans rentrée nord Port-au-Prince. Bandio a opéré, sorti dans le 70, la fito titan, yo imposé la terre, yo rançonné, moun kap passé, motocyclette, automobile. Selon plusieurs témoins, moins d'une semaine après intervention force l'audio dans zone Lafito, situation pas changé. Gang yo reprend service d'après témoignage à plusieurs monde fait qu'on est côté yo attaqué rentrer la caille moun vendredi pour samedi yo té attaqué plusieurs yo devine avec plusieurs engins loto qui t'a pas passé sur route là yo prend yo attaqué yo tout le monde est capable wè yon capsule audiovisuelle ça n'est capable une sorte de vidéo qui t'a poulé sur réseaux sociaux cap confirmé zak criminel yo cap revendiqué par gang 5 secondes de village de Dieu qui blaye koyo koune la rentré nord Port-au-Prince. Criminel yo continue à faire mauvais zak yo mettez du feu yo entre kaimoun yo piller conteneur yo joine ni dans la rue ni dans la cour kaimoun à cause irresponsabilité autorité compétente pour ta renforcer sécurité l'état et qui gagne en tête li premier ministre haïtien dans notre ça moun yo mette dehors nan krisa nan SOS sa yo mande au commandement la police nationale là pour qu'il te promette une présence soutenue élément nan takou quelques unités spécialisées soit Utagasimo pour déloger bandi sa yo et qui a développé un climat avec personne moun poko chamwe depuis les policiers au final et eh bien bandi yo multiplié force yo et puis yo continuer faire plus mauvais action et a imposé loi yo depuis plus que 3 mois transport en commun secteur agricole la touriste la installation hôtelière yo toute activité qui sous compte acadien yo fermé en raison de climat insécurité ça alors que autorité jusqu'à présent yo quitté moun yo nan rentré dans capitale là nan men gang yo kap fait la loi lè ou vle et jan ou vle n'a pralé n'a toujours été dans dossier si là mais c'est dossier bandi yo kap passé la terre dans capitale là gagne Joseph Nader Jean son policier qui sorti dans 30e promotion police nationale là qui mouri hier dimanche 11 décembre 2022 dans zone Claircine 2 c'est un bandi qui gagne gros âme nan men yo qui t'a et son motocyclette qui te fait zak sa. Gen policier Benny Medjoni tout qui se mari victime nan qui sorti blessé pendant attaque sa. Il a recevoir soin dans l'hôpital. Selon numéro 1 Sénapoa, policier Joseph Nadej
Un policier Joseph Nadège ak Belimé Johnny qui c'est Marily te sorti cap haïtien yo t'a prendre yo dans direction générale police nationale là les que nèg exam attaqué yo et puis détruit la vie yo. Nan ou note qui t'a sorti bon côté direction générale police nationale fait connait que yo déjoué bien bonheur yo tentative kidnapping qui t'a fait dans zone Pétionville département l'ouest paysan côté t'a gagné deux présumés bandits qui mortellement blessés avec un fusil AR-15 qui saisi t'a gagné un Nissan Patrol immatriculé AA08354 et c'est la machine ça que bandits même t'ai trouvé yo. Il y a trois autres plaques immatriculation ta joué dans deux machines non parmi une plaque service l'état dans occasion fête fin d'année suivant instruction commissariat commandant en chef France LB qui c'est responsable police nationale là t'a gagné plusieurs dispositifs qui prend dans toute juridiction police pour capable renforcer présence policière dans la rue PNH là mandé collaboration population avec effort qui visait pour garantir un climat sécurité dans pays entre temps situation chaque jour a détérioré. N'a venir dans département Latibonite là toujours dans activité la police mené la police dans département Latibonite là arrêté dans Tibois d'homme qui c'est une localité dans commune Gromone trois trafiquants et drogue qui c'est Aldonner destiné Emmanuel Signy ensemble avec Vertilus Monsayo yota arrêté yo à cause que yota joignyo yota transporté et drogue yota gagné dans main yo aux environs 503,75 livres marijuana dans 23 gros sacs qui étaient un pick-up Toyota. Il était pris en direction du département nord-ouest en pays. D'après ça, responsable de la police dans le département de la Tibonite, l'affaire qu'on est, la quantité de drogue, ça a estimé à plus que 22 millions de gouttes. N'a pas rappelé, directeur départemental police, commissaire Jean-Brice Miantil, qui a exécuté un nouveau plan, directeur général police pour mettre la sécurité dans la Tibonite, qui a déclaré dans la commune ça vient alors plutôt dans zone ponsondée avant opération ça que fait contre trafic que toute gang cap évolue dans département la Tibonite là et yo gen antenne sou yo et rien pas capable traverser département la Tibonite là qui ses drogue qui ses armes qui ses balles et que d'après déclaration chef policier dans département la Tibonite là tout monde qui rentré dans gang pour choisir doit choisir une dans 3M ça yo qui c'est marron maré ou bien mourir d'après déclaration ou bien slogan nouveau directeur policier dans la Tibonite et soit yo marron soit la police mario ou bien yo mouri dans affrontement avec la police direction départementale la police dans la Tibonite pour aller remettre drogue ça yo saisi et qui c'est unité dans BLTS qui c'est une unité dans la police qui gagne expertise dans affaire drogue. N'a pas entré dans l'autre point dominé actualité en nous pour aller dans le département nos pays en surtout dans sa gueule avec diverses activités qui a mené et dans moment de gain fête San Gabriel fête journée mondiale qui gain pour avec dossier droit mon correspondant nous Jean-Claude Geoffroy et Franche t'a parlé avec diverses monde ou bien organisation qui défend droit mon dans département noir côté te préciser y a continuer lutter pour combattre zak violence qui a fait soit sous forme ou bien sous défi dans tout pays. Plus d'états correspondant nous Jean-Claude Geoffroy depuis département de nos pays. Yon journée Bois Solidé organisé dans la commune La Kil di Nord 10 décembre passé dans l'occasion journée internationale de l'amour. C'est sous thème maltraitance et violence sexuelle qui a fait sous forme actimoun. Activité ça a été déroulée et c'est Action Citoyenne Nord ACN dans tête polée avec engagement citoyen patriote d'Haïti ACPH qui déploie initiative organisée li. Dans l'intervention li fait dans journée, coordonnateur Action Citoyenne Nord et Hans Henry exige l'État ramasser cartel pour femmes actives yo suspend victime violence sexuelle et domesticité dans société. Alors activité ça soit activité que nous mettons sur pied dans date journée mondiale sur les violences sous forme activité ouais dans communauté à capable rassembler ensemble nous sommes capables de faire une mission pour éveiller conscience communautaire sur la fin de violence sexuelle. Mais son problème qui est très grave dans le pays pas d'Haïti, dans la communauté pas loin là, regardez dans le pays de mettre une activité ça sur le monde réactif, les montages de violence sexuelle, femmes activités. Activité ça c'est ACN, Action Citoyenne Nord, de concert avec ACPH et
engagement citoyen patriote d'Haïti qui fait activer ça réaliser matin. Alors Sibio, c'est Famio et ensuite Timolino, parce que c'est vous-même qui alors qui victime de violence sexuelle dans la communauté. Et bien il y a une dégradation de tout à fait dialogue dans la communauté. C'est ça qui fait même le fait de l'activité, ça vous capable de reconstruire dialogue de communauté pour que nous sommes capables d'assembler ensemble. Ce qui termine de l'organiser. Terminant, c'est maltraitance, violence sexuelle sous forme active. Attendre par nous, c'est ouais communauté à ré-rassembler encore, reconstituer. Bon voisinage qui est dans le passé. Nous conférence débat ACN et ACPH là, dans la Kil di Nord, te tout coïncidé avec le finissement de ce jour d'activité. Plusieurs associations qui défendent les droits et les droits des femmes, en particulier, ont été lancées depuis 25 novembre passé dans plusieurs communes du département Nord. Ce jour activisme si la yo te gain pour objectif continuer faire sensibilisation pour forcer de la forme active yo respecter. Merci en pile Jacques Geoffroy n'a quitté département nord pays nous pour aller dans département nord ouest pays à ancien magistrat commune Jean Abel monsieur Siméan Jean Wilbert après analyser dit remarquer pays d'Haïti lagué sous compte ça veut dire peuple là a dégagé pour faire face à tout problème paysan a pas connaît tant que problème la vie chère sécurité grand goût la misère pour ne citer ça seulement monsieur Siméon et Jean Wilbert qui estime que équipe PHTK ses propres têtes et les loués en un pour l'autre monde pendant la pas questionner classe politique qu'il a pour demander pour premier ministre Ariel Henry quitter s'il pas capable à cause incapacité de quitter pays là qui était tête pouvoir avant puis taper plus. Et plus d'états correspondant nous, c'est Jean Wiskis depuis le département nord-ouest pays. Ancien magistrat, commune Jean Rabel, monsieur Siméon Jean Wilbert, sorti dans le silence. Après diverses réflexions et analyses, Siméon Jean Wilbert estimé, pays d'Haïti pas sous aucune autorité, à cause li estimé, ses populations seulement, cap démêlé le combat de Jean-Jacques, pour résoudre avec force point li, volume problème n'a fait face, je ne jodien. Tant que problème blanc misère, grand goût, la vie chère, insécurité, l'école tipa tipa, dollar américain qui monte tête nègre pour ne citer ça seulement. Majla Siméon qui passe suspendre questionner classe politique là sous situation pays a fait face jeune aujourd'hui et qui estime gouvernement ça ses propres têtes pas lire rien pour les autres. Conseiller sans bruit sans compte pour PM de facto, monsieur Ariel Henry. Baïta long dans tête pays en vampita pitrice Siméon Jean Wilbert. Fait appel avec tout secteur qui dans pays a moun ka fait politique yo n'a posé question. Est-ce que pays a moun ka vivre comme ça moun ka fonctionner comme ça que pays d'Haïti côté on portion moun a bien fonctionné et puis majorité masse peuple qui toujours a voté en masse ka bay pouvoir condition de vie ou pas jamais amélioré. M'a posé tout moun qui dans gouvernement en place là. Est-ce que vous senti yo dans les biens est-ce que vous senti yo à l'aise que pays d'Haïti pas fonctionner pays a pas diriger côté tout nèg croisé bras croisé pied côté a fait pile cob et puis majorité masse peuple là toujours dans situation difficile côté gondo là américain cap monter dans figimoun pas gen monde qui dit rien côté insécurité a taille mandat pas gen jamais gen autorité qui prend décision qui dit non ça pas ka fait côté la vie chère ou lever chaque matin côté ou acheter sur les marchés chaque corrivo jeune plus marchandise ou monter pas jamais gon l'état pas jamais gon monde qui prend décision pour dire ça qu'a fait dans pays est pas bon moi même étant que leader m'a posé cette question pour qui ça c'est nous mêmes haïtiens qui toujours a souffri est-ce que nous mêmes nous pas gain légitimité dans pays a pour fonctionner tant que monde m'a demandé l'état central si ou pas si responsabilité ou c'est l'état faut prendre des positions si vous sentez ou pas qu'à diriger aussi simple que ça c'est pour laguer pio pour laguer pays pour ben l'autre monde qui qu'a dirigé nous pas qu'à arrêter sans l'état mais nous besoin l'état qui responsable nous pas besoin l'état irresponsable l'école pour ouvert l'école là pour ouvert ti pas en pile côté gain l'école en pile côté pas gain l'école tellement moun yo dans grand moun yo dans souffrance et puis l'état chita l'état pas jamais ça remet connait est-ce que monsieur papa c'est une responsabilité pour population jeune service comme ça doit parce que yo gain droit même avec tout monde c'est pas un portion monde qui gain droit dans pays à quoi fonctionner bien et puis population même a souffrir. Mais voyez un message clair, ben gouvernement Ariel Henry pour l'assumer responsabilité pour population vivre comme ça doit pour conditions de ville améliorer. Ancien magistrat commune Jean Rabel, monsieur Siméon Jean-Hubert fini pour dire malgré l'école tipati par ministre éducation nationale, monsieur Nesmi Maninga a prôné à travers pays en ça la cause majorité timoun yo, surtout dans section communale yo Chita la Kayo à cause faible moyen économique parent yo.
Merci en pile à Saint-Jean, on a quitté le département et nos pays en nord-ouest pays en parler dans le département sud et gain plus passé 4 mois sans courant. Personne n'a pas jamais bail aucune explication sur ça qui a passé dans ville Okaï. Une situation plusieurs jeunes garçons qui vivent dans quartier populaire yo dans ville Okaï dénoncé jeune monsieur ça yo obligé adapter yo même à l'autre principe en plus capable garder match football qui a bail dans affaire Coupe du monde là. Plus d'état cause pendant nous Rose Beta Denistan depuis le département sud pays. Ça va faire 284 télévisions. Oui, 4 mois sans courant. Pas que pays qui a pris ça dans l'autorité. Mais qui est incapable de diriger le pays. C'est depuis plus de 4 mois, même population n'a aucun power courant. Personne n'a jamais dit rien. Jeune garçon ça y a vivre dans plusieurs quartiers populaires dans la ville là. Pour eux, EDS pas existé. Ils n'ont pas même voulu parler de lui. Mais pour parler de question de courant, bon, c'est que nous, parce que pas parler de DH. Si nous parlons de DH, nous avons dit que DH existe. Et bien, nous voulons dire, même pour le monde, nous avons aussi pour prendre DH pour dire que nous courons. Pour le monde, il n'est pas bon. Pour M. Sayo, le peuple a obligé à arranger lui pour lui vivre, quelle que soit la situation. Parce que pas de personne qui a pensé pour lui. Autorité ou pas ouais peuple. Le peuple a obligé de venir comme si accepter vivre dans cette situation de vivre là. Même les bâtiments de population, mais il y a une grande capacité, une majorité. Et on parle de 46% de la population acceptée pour vivre la condition qu'on mette au vivre là. Il y a une vie tellement habituée. Avec une des habitudes à moi, je ne vais pas faire. On va s'en dire tout ça nous fait. Vous essayez nous, tout ça pour nous faire, mais d'abord on fait. Vous pouvez qu'il arrive, pas être loin. Lever la moudre à Ariel, Ariel ne va pas faire un. L'obligé. J'ai payé à nous était comme ça. Regarde grand pile monde là, on parle de boss électricité yo, c'est des bagages qui paralysent cause pour bail ça va pas marcher. Nous ça va pas vivre parce que les gros mettent tout et payer dans une condition qui est tellement difficile et comme si on se passe à chaque minute dégager vivre. Si longtemps, responsable de HO te bâti au récurrent selon importance match football yo. Pendant mondial ça, en pile monde, c'est téléphone yo grâce à médias sociaux yo qui permettent yo ka vivre un match pour distraire yo. Il regarde mondial, c'est le téléphone. Il est du téléphone intelligent, c'est tout téléphone intelligent, regarde le téléphone là. L'autre raison qu'a fou boire un baril tab d'air, faut qu'on m'assise. Prends ça, on est isolé net, on est amusé, nous, peut-être qu'il regarde mondial, parce que le mondial, c'est tout le monde regarder. Même si ils ont façon de gérer nous quand même. On dit, elle dit pas qu'un coin, comme nous un coin à l'état de gérer nous. On bon, et qu'on s'en est à gérer nous depuis le 100 courant, nous ne pouvons pas regarder décembre. Décembre fait noir, si vous la fouillez, nous ne pouvons pas lumière, nous n'avons pas nous ne pouvons pas vendre, vous la fouillez, nous ne pouvons pas. Nous avec EDH. Si courant symbolise développement, en Haïti, depuis quelques jours, c'est jouet domino qui plus se développer dans le quartier populaire et dans pile zone pour moun distrayo. Sans oublier, en pile jeune garçon, jeune femme yo même kap cherche moyen pour jeter yo, qui donc al vive dans yon lot pays. C'est une façon de faire pour nous quitter le pays. Pour enseigner une solution de nous quitter le pays. Parce que nous, mon pays, nous ne pouvons pas vivre, parce que nous ne pouvons pas vivre, nous privés de toute bagaille. Nous sommes obligés de chiter à bon la rue, je domine nous, et bien, regardez, au monde, j'ai arrivé au barrage de courant. On est obligé à booster, obligé à booster au côté pour regarder le petit mondial. Moi, qui ferme là toujours, je dégage ce domaine, mais à cause de moi, pas de moyen, parce que j'ai demandé pour l'État, pour les gens, pour garder ta pays. Dans le département sud-là, depuis quelques temps, si tout dans la ville locale, c'est chaque monde qui démêle, mettait courant la caillou, qui donc achetait panneaux solaires, inverter à clôt encore. Malgré tout, ça n'a pas empêché un pile monde habillé pour aller travailler chaque jour et puis toucher chèque pas moi. Qui donc qui boy ap travail dans l'électricité d'Haïti, centre semi-autonome EDH Okaï. Merci en pile en Rose Beta, on a toujours été dans Grand Sud là, nous parler dans département Nid pays à son initiative Jean-Ricard Charles, centre santé communautaire Saint-François de Sal inauguré dans Bacounois qui sont quartier dans commune Ansavo département Nid pays 10 décembre 2022. Jean-Ricard Charles fait qu'on est ses rêves li qui réalisé pour zone non, il était sorti, il était constaté que Mounio a fait face à toute qualité problème surtout dans le domaine santé. Plus d'état correspondant nous Natacha Jean-Jacques depuis le département Nid pays.
Sous initiative Jean-Ric Carchol, Centre Santé Communauté Saint-François de Sales inauguré 10 décembre 2022 dans Bakonoa, yon quartier commune en Savo dans département Nip. Ancien magistrat Jean-Ric Carchol fait connait rêve li accompli pour section communale li sortia cap fait face à toute qualité problème surtout dans domaine santé. Jean-Ric Carchol mandé toute petite Bakonoa pour suspendre al fait bien dans pays étranger pour venir faire bien la caillou. Jean-Ric Carchol. Et qui message moi gagne? Message moi gagne. Et c'est-à-dire tout le monde qui sorti en côté. Qui des possibilités. Pour y pour j'étais comme en République dominicaine. Dans l'autre pays, au moins, choisis font bail à la caillou. Vous comprenez? Choisis font bail à la caillou, parce que les gens au pays d'Haïti sont là, ils ont crasé, brisé, mais Haïti n'a pas payé, Haïti a prêté encore. Cérémonie inauguration sa fête en présence coordonnateur assemblée section communale là, Avelus Monchéri, directeur régional office assurance VS ONA, Miragouana Jefté Guiron, coordonnatrice organisation femme NIP Lila Zéphirin, et représentant départemental sanitaire NIP. Merci en pile Natacha avant venir dans ville Gonaïve n'a font passer sous Iléa gain Azek grand souslan Jean Féronel Jeffra qui t'a disparu dans un week-end qui s'est passé là sous la mer pendant t'a pral acheter du riz dans département l'ouest payant jusqu'à présent pour qu'on gain aucun détail sur ça qui t'a la cause que Jean Féronel Jeffra disparaît sous la mer et yo beaucoup gens capable joindre corps à tout puisque yo pas connait qui bol tomber exactement. Et plus de détails à cause pendant nous Jean-Claude Geffrard plutôt et Thierry Renol depuis Zilé Lagunave. Avec troisième section grande source là, Jean-Féronel Geffrard disparaît sous la mer dans le week-end qui s'est passé. Et le local là perdit la ville pendant qu'il a acheté du riz pour le revendre sous Zilé. Madame Ni et Vanis Geffrard pas capable qu'un bébé de l'eau dans gel, elle était à prendre nouvelle Zilé. Responsable Semanayo, au niveau Zilea, fait qu'on est et il a continué faire recherche pour y ouais si y a trouvé un cadavre Kazekla qui t'a semblé valer acte de naissance li. Il n'a pas rappelé où Azek Féronel Geffrard parti quitter et quatre petites sous poignette et vanise. D'après information yo, par une personne monde qui capable bay aucune explication sur disparition Féronel Geffrard. Population gonavienne toujours continuer à compter cadavres sous la mer. En ce sens, il a demandé responsable Semanayo qui sous Zilea pour y prendre responsabilité de façon à ce que pour capable et pour population gonavienne ta capable suspendre compter cadavres sous la mer. Amen. N'absous. Lundi 12 décembre 2022, à pays d'Haïti recevoir un chargement plus passé 1 million doses vaccins contre maladie choléra qui déjà la cause plus passé 200 monde mouri entre commencement mois octobre 2022 pour arriver commencement mois décembre 2022 sous territoire national là, c'est sa organisation panaméricaine la santé OPS fait connaître. Dans une publication li fait OPS déclaré campagne vaccination contre choléra ta doit commencer avant longtemps dans pays d'Haïti et puis la les mêmes populations qui gagnent plus passé yon l'année dans département l'ouest ak nan département centre des départements côté qui gagnent plus ka maladie choléra qui signalé. C'est jeudi 15 décembre 2022 y a chanté dans l'école nationale police là enterrement commissaire police Harrington Rigo bandi exam té assassiné vendredi 25 novembre 2022 à sous route Fréa commune Pétionville. Nan yon si ki lè li mete deyò PNH ta fè konnen exposition a fête nan date 15 décembre nan dans l'air sorti 7h pour arriver 8h dans matin. Dans la nuit lundi 12 décembre 2022 après yo té recevoir coup de force l'agent bandi exam yo lagué love fatal qui s'est chauffé commissaire police défunt yo té kidnappé 25 novembre 2022. Policier national Fritz Gérard Rivière qui sorti dans 27e promotion police là tatouillé tête li lundi après-midi 12 décembre 2022 d'après syndicat national policier haïtien yo Sinapoa. D'après Sinapoa qui fait qu'on est lipoko qu'on est raison qui t'a poussé policier national là tatouillé tête li drame ça passé dans zone cité militaire et puis policier ça t'est fait partie unité départementale maintien l'ordre Udmo.
Comité international la Croix-Rouge fait connaître tête li chargé en pile sous bande ak paquet zak violence ak zam k'ap fèt nan pays d'Haïti yo. Association nationale propriétaire station gaz yo anapros levé la voix contre compagnie k'ap commandé gaz nan pays d'Haïti yo qui exige pour propriétaire station gaz yo ta payer compagnie gaz yo ak dola américain seulement. La justice pays d'Haïti doit ramasser dossier sanction gouvernement Canada et États-Unis yo pran contre gros chabrak politique ak gros businessman yo pour porter lumière sous escandale sa yo, c'est disons collectif 4 décembre 2013. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur collectif 4 décembre 2013, an koute le capote plus détail dans micro Alter Radio. Il y a une comme juste que nous avons toujours prouvé que nous ne savons jamais choisir nos dirigeants et n'a pas une conséquence de façon très grave aujourd'hui. Nous-mêmes, nous contre l'injustice, contre quel que soit le monde, mais nous contre la tolérance pour quel que soit le monde. Tout. OK? Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que nous pensons qu'il peut taguer pour faire, ou de toute façon, Haïti ou bien, nous qui personnels, par contre, nous courons bien par le vol international. Pour essayer de faire retourner sur ce point. Mais le fait est que la situation est prise et nous sommes au fond nous-mêmes certains qu'il y a des raisons valables de faire monter une situation pareille. Les résultats, il y a certainement la ministre de qui dit on va faire un coup, etc. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais. On sait que ceci, c'est un signal qui vous bail, peut-être tout le monde, quel que soit ce qui est écouté hier, nous fait clair que finalement l'international, puisque nous sommes montrés totalement incapables, incohérents dans nos approches de gestion, que c'est international là qui a fait ça, qui a fait ça. Et comme nous parlons vraiment au gouvernement, qui fait ça pour le fait là. Donc, on a subi en tout la conséquence de notre incompétence, et notamment au niveau de la justice de notre pays, au niveau des partis politiques, et au niveau de cette faillite totale que l'on vit là. Bon, alors, et c'est dommage qu'on en soit là, mais c'est nous chercher ça l'on vient dans la. Ce qui arrive, c'est que grévé associé aussi, ou bien aussi à cause du fait que le banditisme, même nous pensons que c'est du terrorisme qui est établi sur le territoire, que étranger, ou bien que le comité international, là, ou bien l'autre pays, en vue d'aider Haïti à sortir d'un bâtiment, ils pensent qu'il y a des gens qui sont intimement liés dans ce cas là et ils décident de sanctionner. Maintenant, ce qui arrive, c'est que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune action réelle qui est posée quant à la gestion de cette insécurité et de par exemple, le kidnapping, cette tuerie, ce massacre, etc. La prolifération des gangs de notre pays, nous n'avons rien de concret et de performance qui fait pour la gestion de cette partie-là. Parce que je connais, il y a de plus en plus mal, ou bien de plus en plus de gangs de nous-mêmes. C'est le résultat que nous avons besoin. C'est le résultat que nous avons besoin. Si c'est bon pour sectionner au monde et puis pas que le résultat, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'était Jean-Robert Argan, coordonnateur collectif 4 décembre 2013. À partir date mercredi 28 novembre 2022 à pays Angleterre qui fait écrire une loi spéciale pour ça pour appliquer sanctions Conseil sécurité Nations Unies a décidé vendredi 21 octobre 2022 à contre chef gang Axamio avec tout silayo cap coréo avec l'agent dans pays d'Haïti. Instrument légal ça qui déposé devant parlement britannique la date 7 décembre passé a doit entrer en vigueur 28 décembre cap vini là d'après une note explicative qui publie
liye nan aneks yon règlement. Peyi Angleterre pren desisyon sa detan li apiye li sou yon lwa ki soti nan ane 2018 sou sanksyon kont blanchiman l'ajan pou pemet li kapab konforme li ak rezolisyon Konseil Sekirite Nasyon Zinyan jan obligasyon internasyonal yo mande sa. Pou evite ere kominote internasyonal la te fe nan l'ane ki sot pase yo, gouvernement peyi Kanada souwete lot kalte dimache fet sou dosye Haïtia, se dizon Premier ministre Kanada Justin Trudeau. Wòl nou se gade koman nou kapab ede, men nou pa kapab naïf nan fason ap ede a, si nou te vle ede pendant ane pase yo, men sa bay rezilta nap gade la kounya, fòk nou genyen yon nouvel aproche, se sa Premier ministre Kanadyen Justin Trudeau deklare. Pou mouman sa, ansanm sanksyon peyi Kanada deja pran kont yon seri gwo chabrak politik ak biznisman nan peyi a, se yon eleman nan nouvel aproche sa. Lendi 12 Desanman 2022, Premier ministre de facto adopté Ariel Henry di li te chita pale nan Port-au-Prince sou klima la terre a ak sou kesyon eleksyon ak yon delegasyon gouvernement peyi Etazini ki te gen a la tèt li sekretè l'Etat an apre defans Ameriken Daniel Erickson. Wap koute 24 sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak sou tout lot platform internet nou yo. Mom rive pou nou fè plas ak aktualite internasyonal yo ak kolaboratris nou Marie Farah Fortuné. Afotman eklat te lundi 12 décembre nan Asque Brasilia ant polisye ak patizan prezident sotan Jair Bolsonaro kote ap exije liberasyon yon dirijan otoktone ki arete pou tèt lap insite moun yo fè violans antidemokratik dapre yon fotograf AFP. Toubyote eklate devan siyej polis lan apre arrestasyon sou lòt jij ko suprèm federal Alexandre de Moraes pou menas ak ak intimidasyon kont etat dwa demokratik lan. Kongres chilien a annonsé un accord pour entamer un autre projet constitution 3 mois après citoyens ont voyé jeter une première proposition changement des chambres parlement jeune un accord côté yo gain conviction li important pour permettre un processus constituant et puis gain une autre constitution pour Chili d'après sa texte nan fait connait les mêmes président Sénat Alvaro Elizalde mais tout chambre député Vladimiro Sevich présenté lundi 12 décembre nan à souhait. Gouvernement gauche Mexique, Argentine, Colombie, mais tout Bolivie pote soutien à président péruvien Pedro Castillo alors que manifestation soutien a continué à président yo mette à terre sous pouvoir pays Pérou. Ancien président péruvien qui était bon dans élection dans l'année 2021, jeune arrestation semaine passée sous l'ordre de justice pour rébellion à conspiration après une tentative ratée pour écraser parlement pays. Congrès péruvien à majorité droite a approuvé une motion cap permettre raccourci délai pour juger le pénalement. Ancien président fait objet d'un traitement judiciaire qui violait convention américaine droit mondial d'après sa quatre pays signataires fait connait. Et puis parlement européen retiré mardi 13 décembre titre vice-président parlement européen ak Eva Kaili li même yo mette en cause dans un affaire corruption qui impliquait versement l'argent liquide ak cadeau bon côté Qatar. Sanction pour faute grave lan te wè puis fon nan député qui était présent Strasbourg yo nan séance plénière approuvé le soit 625 votes favorables sous 628 exprimés yon compte et puis des abstentions. Nan sante, otorite ayisyen yo resevwa plis pase yon milyon doze vaksin kont maladi kolera. Plis detay ak kolaboratris nou, Marie Farah Fortuné. Otorite sanite ayisyen yo resevwa lendi plis pase yon milyon doze vaksin kont epidemi kolera pou eseye frene kous maladi an. Dapre yon komunike OPS, yon lo an plis anviron 500,000 doze vaksin dwe rive Ayiti nan semen ka vini yo. Apre demand minister ayisyen sante publik ak populasyon te formile, vaksin Evicholan, groupe international coordination approvisionnement nan vaksin Bayo, li menm kap jere stok mondial préparation kont maladi an avèk soutien OPS. Kanpay vaksinasyon ap komanse nan jou kap vini la yo e ap sible nan yon premye tan populasyon ki gen plis pase yon lane Cité Soleil, Delma, Tabaka, Fume, tout Port-au-Prince nan département l'Ouest, Mibale nan département Centre, zone ki gen plis ka kolera. D'après dernier donné ministère santé haïtien sur un total 13454 cas suspect dans 10 départements paysans 1177 confirmés 11557 patients hospitalisés 281 cas en mort depuis confirmation maladie octobre passé dans économie plafonnement pétrole brut risla la cause gros embouteillage dans la mer noire.
Depuis lundi 5 décembre 2022, l'Union européenne appliqué un embargo sur exportation pétrole russe qui passait sous la mer, alors que l'Union européenne et G7 là imposé un plafonnement sous pétrole brut russe là à $60 pour chaque baril. Situation ça, la cause embouteillage tanker yo qui se bateau capoté gaz yo nan de Turquie yo qui trouvé yo nan embouché la mer Noire côté route yo transporté pétrole russe yo passé. Lundi 5 décembre 2022 a alors que mezi occidental yo tap entré en vigueur, yon vingtaine tanker te déjà aptan nan mitan la mer Bosphore ak Dardanelle qui relié la mer Noire côté port russe yo ye ak marché international yo. D'après sa agence Bloomberg fait konnen, bateau qui concerne yo ap transporté pétrole brut russe à Kazakh soti nan port russe et puis ses modalités plafonnement prix baril là qui semblait responsable embouteillage ça.